Du chocolat équitable. Finalement, c'est pas si difficile que ça de changer la société. Non, sérieusement, choisir des produits équitables, c'est bien, mais ça suffit pas. Moi, je voudrais mettre la main à la pâte, pas vous? J'appelle Julien, il va nous renseigner. Allô, Julien? Oui? Salut, c'est Jess. Bonjour, Jess. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, écoute, je voudrais savoir comment on peut s'impliquer dans l'ESS sans forcément acheter quelque chose. Plein de choses, Jess. Il y a des cursus universitaires qui existent. Par exemple, le Master 2 de l'Université Lyon 2 sur l'économie sociale et solidaire. Et puis après, il existe bien entendu plein de métiers très techniques qui correspondent à l'emploi que tu veux occuper. Ça peut aller du tourisme à l'animation, en passant par la banque, l'aide à la personne. Et est-ce que je peux créer ma boîte? Il faut avoir une idée bien entendu innovante, solidaire. Mais donc, avec un collectif que tu peux fédérer autour de toi, tu peux créer ta boîte. D'accord, mais du coup, en dehors du boulot, qu'est-ce que je peux faire? N'oublions pas le bénévolat. Tu peux être très intéressé, même toute seule, à pouvoir donner un coup de main dans une association dont l'activité te plaît, donc pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, et pour donner un coup de main quand il faut représenter l'association, gérer ses comptes et autre chose. Merci Julien, ciao! À bientôt!